Moi, je suis enseignante à l'école primaire. J'ai cette année deux classes de 5e dans une petite école du Brabant Wallon en Belgique où j'ai deux classes de 14 et de 16 élèves. Donc, j'ai beaucoup de chance. Alors, là où j'ai un peu moins de chance, c'est que très vite, pendant le début de l'année, j'ai appris qu'un de mes élèves était malade et qu'il ne pourrait pas suivre les cours de toute l'année. Quand on a un élève malade comme ça, la principale question, c'est quel est l'outil que je vais pouvoir mettre en place pour lui permettre d'apprendre pendant son année et pouvoir rejoindre ses amis en 6e. Alors, le site CAD Academy, j'avais eu l'occasion de le connaître un peu avant et donc ça m'est apparu comme la solution pour lui permettre d'avancer en mathématiques à son rythme tout en ayant la capacité d'avoir la progression d'Eliot à distance sans avoir cette difficulté de comment lui faire parvenir des feuilles, comment ne pas avoir justement ce décalage entre les feuilles qu'on envoie et la leçon qu'on est en train de suivre. Et donc CAD Academy m'a permis ça très rapidement. Petit défaut de CAD Academy, c'est un jeu. Et donc, dès qu'Eliot a pris goût à CAD Academy, il a fallu se battre pour qu'il travaille. Parce que bien évidemment, il y a toujours quelque chose à faire sur CAD, toujours une nouvelle matière où on a envie d'essayer, de nouveaux exercices, de nouveaux quiz qu'on a envie de refaire pour améliorer son score. Et donc, inévitablement, CAD est super attirant et ça a permis à Eliot de vraiment travailler les mathématiques avec plaisir. Et puis, le fait de le lancer dans la classe, ça a permis aussi de faire un lien entre les élèves dans le local et Eliot. Tiens, Eliot a fait ce badge-là, et bien dans 2 semaines, il faut que vous ayez tous le même badge qu'Eliot. Alors, on peut aller demander à Eliot comment il a fait, on peut demander des petits conseils. Évidemment, ça va créer un lien supplémentaire entre cet élève et son groupe d'amis. C'est chouette parce qu'il y a beaucoup d'exercices et j'aime bien les avatars ou les points. Parce que c'est comme un jeu, c'est une bonne façon d'apprendre. C'est vrai qu'il y a un projet dans la classe qui est lancé par rapport à l'apprentissage du codage, de l'utilisation des robots et de la programmation. Donc ça, c'est vrai que c'est un projet qui va aussi arriver sur les ordinateurs prochainement. On n'y est pas encore et donc ça m'a permis de voir avec CAD Academy que les enfants ont aussi cette difficulté de passer à l'ordinateur. Comment j'allume, comment je ferme la fenêtre, comment est-ce que, madame, au secours, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Et donc voilà, c'est tous des petits obstacles mais qui très facilement peuvent être palliés. Par exemple, tout à l'heure pendant la leçon, il y avait ces mots de passe au tableau pour permettre plus rapidement l'accès ou le fait d'allumer les ordinateurs avant de commencer, ça a bien pu aider. Une autre difficulté dans les écoles, c'est bien souvent le manque de matériel. Alors ici, dans l'école, on a de la chance d'avoir une dizaine d'ordinateurs fixes. Donc ça signifie que malheureusement, pour pouvoir créer ce lien avec Eliot, je dois prendre mon groupe classe et quitter la classe où Eliot peut nous suivre pour avoir assez d'ordinateurs pour les élèves. Comment faire ? C'est par la formation du binôme. Alors là, ici, j'ai fonctionné plutôt par affinité. La prochaine fois, je peux fonctionner par difficulté. Donc, les enfants qui auront les mêmes difficultés, je peux leur donner ces mêmes devoirs, les mettre ensemble sur un ordinateur et être plus attentive justement à ces binômes pour pouvoir les aider de façon individuelle, alors que les autres sont autonomes, en silence, puisqu'ils sont seuls sur un ordinateur. Voilà, ça me permet en même temps de différencier ce que je fais. Donc, bien entendu, les enfants n'auront plus les mêmes leçons à partir d'un certain moment. Ici, je les lance sur la matière qui est en cours, mais la prochaine fois, je peux très bien viser les difficultés de chaque enfant ou lancer des défis à ceux qui n'ont pas vraiment de difficultés. C'est l'intérêt de CAD Academy. Point de vue utilisation, c'est vrai que j'avais envie de lancer certains devoirs sur CAD Academy, mais la difficulté est encore technique. Certains élèves n'ont pas accès à des ordinateurs, ou pas toujours. J'ai des enfants qui me disent « Chez maman, je peux, mais chez papa, je n'ai pas. » Donc, ça sera une semaine sur deux. C'est encore très difficile, même techniquement, à la maison. Donc, l'idée maintenant, c'est de pouvoir continuer, par exemple, 1 heure par semaine avec chaque classe pour les aider à avancer, mais en leur expliquant comment on peut s'en servir à la maison. Ils vont le faire sans que ce soit un devoir. Et ça, c'est, on est en train de gagner quelque chose quand apprendre n'est plus une obligation, mais bien un plaisir.